La croissance américaine révisée à la baisse au deuxième trimestre. Elle ressort finalement à 1,1% en rythme annualisé contre 1,2% en première estimation. En cause, une diminution plus accentuée des stocks des entreprises qui affecte la performance de l'économie américaine pour le cinquième trimestre consécutif. Elle est toutefois de bon augure pour l'avenir puisque pour reconstituer les stocks, il va falloir produire. La révision a aussi apporté une bonne nouvelle sur le front de la consommation des ménages moteurs de l'économie américaine. Elle a bondi de 4,4% sur la période, plus encore qu'estimée précédemment.